Mais tu sais, quand je disais... Yes. When I was saying, oh, I put a seed in him, like, to... Let's kind of play them. I play them. And is this bad? I don't know. Is this bad or good? That is bad. I don't want to play people. Like, I don't want to look like a mean person on national television because I said, oh, I put a seed. I don't know what's happening, but I'm hearing things left and right, and I just feel like I don't know what's happening. I don't know what's happening. I don't know if... I feel I'm, I played him, like, without really... How did you play him when you planned the seed about? When I said, oh, I like a seed about, you know, about Cindy, like, oh, do you still like... That was a real thing, and I was like, oh, I put a seed in his head. He's still very close to Bruno. I know, but this is being playing someone. Because, like, I'm putting doubt in his mind. This is playing people. I'm playing someone. That's not what I want to do. Like, I feel I'm being... Then be honest with him. I'm not sure what... I don't understand what you want exactly. No, I just wanted to... He went and told Aika that I was twisting your words and that I'm lying. What she said about that? She was like, why did you lie or whatever? And I was like, when did I lie? I don't understand what's happening. I don't know what's happening, but... Oh, I just got it, sorry. Oh my God. I don't know what's happening, but... Did you go into Each a Wish with Kevin just now? No, he's sleeping. Did you say something like my English is not good? Your English? No, you. Did you say my English is not good, sorry? Probably. When you talked to Kevin? Yeah. Yeah, I said that. Why? Because he went and told Aika something like that. Yeah, I said that. I don't understand what's happening. Kevin went in and said that I twist your word and that I'm lying. And he said I never wanted Dimitri out or something like that. I said I wanted Jackie out or something like that. Did Kevin told you I want Jackie out? Yeah. And then when you asked him again... I said that to you. I know, but when you asked him again... Did he say that, yes, he wanted Jackie out, or did he say, no, I wanted Dimitri out? Remember after POV, when I was like, it doesn't make sense that he wants Jackie out, did you ask him again if he wanted Jackie or Dimitri out? Yeah. What did he say? He said he wanted Dimitri out, but he didn't want to say it to me because he thought I was going to say it to Aika. About to be played twice. I'm not. I am not about to be played twice. I feel I'm playing someone that I don't want to play. You're not playing anybody. Who did you play? I feel I'm playing Kevin by saying like, oh, I'm gonna, a little bit I wanted him to be against Bruno, and I'm like, this is playing someone. I'm not doing this with someone, with you and someone else. I feel like, okay, then stop doing that. If you feel like you're doing that, stop doing that. You know, anything that you say, you're already planting a seed. Anything that you say can put down in someone, even without you knowing it. So if you're on a bench, and by the way, he told Aika that when you were sitting down there and you saw Bruno going in, you told him, are you scared? Or, I don't know what you told him. Are you scared that he's going in? And then he told you, no, I'm not scared, or something like that. He went and told Aika that you asked him if he was scared that when Bruno was going in, as if you were trying maybe to like do something or like whatever. Well, that was true. People are saying that, like, they are maybe going to each other. People
putting this in the air. Yeah. I only said that like that. So, how are you playing him? You just asked a question. You said, are you scared that you're going in, that he's gonna thing, and he said no. Mm-hmm. What's the problem? How are you playing him? Anything that you say can put down. Anything that you say, even if you don't do it on purpose, it can put a doubt on someone's mind. I come and tell you right now, Anka said this, blah, blah. I'm not trying to plant a seed. I'm trying to give you information. It's already putting a doubt in your mind. And I don't feel like I'm trying to play you. So I don't know if he actually heard from someone that Kevin and Bruno, that you were trying apparently to break Kevin and Bruno, or I don't know if he just invented that. But what I'm going to say is that what they're doing right now, I have no idea where it's heading. But we have to have a solid story, because they're going to try to come and attack us. And I am not about that life. If you stick to whatever was the truth, you're going to be fine. If you stick to whatever was the truth, you're going to be fine. If it was really a question, then say it was really a question. If you were trying to plant the seeds but you regret it, say that you were trying to plant the seeds and you regret it. Because I legit don't think I've lied. I don't. And maybe you're not doing it intentionally, or I don't know what's happening, but I am not about that life. J'ai l'impression que je fais des choses pas correctes, genre en sans vouloir. Je sais pas, mais là en ce moment j'ai juste. Je pense qu'elle me croit, mais j'ai juste l'air d'avoir inventé des trucs ou je sais pas trop quoi, ou je sais vraiment pas ce qui s'est passé, j'ai pas tout compris. Je sais pas si c'est lui qui dit n'importe quoi ou si c'est comme, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi. Qu'est-ce qui serait allé les voir pour dire que je joue, genre. Que je dis ça à tout le monde. Ça, c'est pas vrai, genre. Mais t'as pas dit ça à tout le monde, justement. Faut qu'on arrive à différencier ce qui est vrai de ce qui est pas vrai. Fait, c'est quand j'ai vu. Moi, si je le vois, c'est dans sa face. C'est s'il savait ou s'il savait pas pourquoi Bruno était là. Puis j'ai dit, t'as pas peur qu'il soit là? Voir mm-hmm. dans sa face, genre, mm-hmm. s'il soit genre. Juste voir si lui me jouait finalement. C'est ça que je voulais voir, genre. Is he playing me? I'm gonna ask him, are you scared? Because me, I'm scared to see him doing this. Parce que normalement, genre, moi, si je te vois faire ça, puis. D'habitude, je serais genre, ah, qu'est-ce que je fais ça? Genre, je sais pourquoi, fait que j'ai pas peur. Mm-hmm. Fait que je suis genre, fait que c'est ça que je veux savoir, c'est ça que je voulais savoir. Puis il était genre, je sais pas, fait que là, c'est là que moi j'étais genre. Il a dit, je sais pas, ou il a dit, non, j'ai pas peur? Il a dit, excuse, mais c'est important parce que je veux savoir s'il y a comment en ce moment. Il a dit, je me sens qu'il a dit, il a pas dit non, il a pas dit un non définitif. Mais il me semble qu'il m'a dit non dans le pinch. Il dit qu'il avait dit non, puis il me semble qu'il m'avait pas dit non. Il était genre de même, j'étais genre parce que. Fait que là, quand il était de même, j'étais genre. Parce qu'il était dans le dos. Puis, do you think? Puis j'étais genre, je sais pas. Puis même si je dis, j'ai entendu dans l'air que le monde pourrait vous voir vous backstabber, genre. Toi, t'as dit ça? Ouais. Puis là, il a dit quoi? Il était genre, ah ouais. Je dis, je ferais jamais ça à Bruno. J'étais genre, je sais pas, je dis, lui, ferais tout ça, je sais pas. Excuse. Ok, mais tu penses pas que ça, c'est peut-être ce qui a commencé, que lui-même, il dise, j'ai entendu que tu voulais mettre Bruno et moi contre?
le fait que tu dises le monde pourrait penser que vous êtes contre ou whatever, tu penses pas que ça lui a donné peut-être de l'information pour comme aller contre toi indirectement, genre? Maybe. Probably. On est aussi mal à faire ma gueule là-dessus. Parce qu'en ce moment, ce que Bruno et Kevin vendent à Icon Dimitri, c'est le fait que on est tous en train d'aller après les bêtes. Puis ça, c'est partiellement parce que Karen n'arrête pas de dire qu'elle va après les bêtes. Là, maintenant, Aika le sait que Karen n'arrête pas de dire ça. Aika n'avait pas vu comme ça. Maintenant, elle le sait que Aika n'arrête pas de dire ça. Et là, maintenant, elle a plus peur que d'habitude. Puis elle est en train de se dire, est-ce que j'aurais pas dû peut-être rester avec Kevin et Bruno? Puis là, elle est en train de se dire, merde, c'est vrai, Cassandra est partie, Gary, Cindy, Nena. Puis là, elle est en train de réaliser que c'est vrai que les vêtements s'en vont. Mm-hmm. Puis partiellement, c'est Karen qui arrête pas de dire que elle veut que les vêtements sortent, mais ça, c'était pas caché. Moi, je savais même pas que Aika le savait pas. Je pensais que tout le monde le savait. Parce que je pensais que tout le monde le savait. Karen n'arrête pas de dire qu'on n'a pas une fair chance, qu'on est venu, que les vêtements doivent partir, blablabla. Elle n'arrête pas de le dire. Je pensais que tout le monde le savait. Mm-hmm. Personne n'écoute Karen, mais c'est vrai. Tu mets un vêtement contre quelqu'un d'autre, elle va voter le vêtement. On s'entend. Mm-hmm. En vérité, moi aussi, surtout si c'est Kevin et Bruno. Je ne la remarquais pas tant que ça. Kevin. Là, moi, j'ai dit à Aika, il n'y a rien, il n'y a pas de new players versus vet. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Elle était comme, ouais, mais Karen, blablabla. Je pense que oui, il y en a un. Puis là, elle est en train de potentiellement croire que les gens, c'est-à-dire nous, on est vraiment en train d'essayer d'aller contre les vets. Ça va pas, ça va. Il n'y a jamais eu ça. Mais ça, c'est ce que Kevin et Bruno lui vendent. Et ça peut marcher parce qu'ils ont les arguments. Peu importe s'il y a ça ou pas, peu importe, personne ne leur a parlé. OK? Toi, tu n'as pas parlé, moi, j'ai pas parlé. Personne ne leur a parlé. Peu importe. Tu es dans le jeu, tu te dis, je suis sur le bloc, qu'est-ce que je fais? Ils ont les arguments pour. C'est vrai que tous les vétérans sont partis. Good night, house guests. Sleep well. C'est vrai que tous les vétérans sont partis. C'est vrai quand on est 5 contre 3 vétérans. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait potentiellement avoir une alliance ensemble. Puis là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de le vendre à Aika. Puis ça marche parce qu'elle est en train de déjà douter. Puis ce que ça fait, c'est qu'après ça, ils vont aller après ceux les plus proches qui peuvent sortir, les plus gros targets avec les duos. C'est vrai que quand Kevin et Bruno vont partir, ça va être eux les plus gros targets. T'as pas besoin, personne n'a besoin de le dire là, pour le savoir. Mm-hmm. C'est vrai. Là, ils sont en train de se dire, ah, oh, je pense que peut-être Dylan va aller après nous, blablabla. Puis moi, je suis en train de leur dire, non, vraiment pas, ça va pas arriver. Fait que moi, qui voulait potentiellement peut-être sortir Kevin, Bruno, Aika. En ce moment, je suis comme coincée puis je peux pas vraiment faire ça. Ce qui fait que freaking Dimitri va continuer à gagner puis il va se rendre jusqu'au bout. Oh my God, I'm not about this game. J'ai l'impression que j'ai fait une merde en disant ça, Kevin. Fais attention, parce que moi, j'ai pas envie que ça fasse genre, on se tourne l'un contre l'autre. Je m'en fous de ce que tu dis. J'en ai rien à foutre. Ce que je sais, c'est que je pense vraiment pas que tu mettrais sur le bloc, puis je pense pas que tu voudrais contre moi. Puis c'est la même chose pour moi. William, non. Sincèrement, j'en ai rien à foutre. Le reste, j'en ai rien à foutre. Je vais donner le plus d'informations possible que je puisse te donner. C'est un peu dégueulasse. Je vais donner le plus d'informations possible que je peux te donner. Puis on avancera dans le jeu, puis on verra. Je n'ai aucune... J'ai aucun bénéfice nécessairement à te mentir. Il n'y a rien qui sort là-dedans. Le seul truc que j'aurais pu dire qui est comme un peu vague, c'est genre, ah, oh, ouais, je sais pas s'il est avec Kevin. Ah, oh, ouais, non, mais je pense qu'il est avec nous. Ah, oh, mais je sais pas trop. C'est tout ce que j'ai fait, juste parce que je voulais pas justement qu'il nous voit peut-être comme un duo, pour qu'il, peut-être qu'il puisse nous voir comme deux personnes séparées, pour ne pas qu'on soit les prochains targets quand il n'y aura plus de targets. Pas aller après Karen est toute seule. Ils vont aller après des gens qui ont toujours un vote. Fait que si on pouvait avoir l'air séparés, j'étais comme, peut-être que c'est mieux. Si on avait l'air comme pas trop sûr l'un de l'autre, peut-être que c'est mieux, sans nécessairement en faire trop. Là. C'est la seule chose. Puis, si j'ai quelque chose d'autre que je me rappelle plus, c'est vraiment chien, mais je penserais pas. Fait que, je sais pas si Kevin ment, je sais pas si Aika ment, je sais pas ce qui se passe. Mais il y a des choses qui font pas.
Je vais revenir sur l'histoire avec Kevin, expliquer en détail, comme je t'ai dit, que je pense, tu sais, que moi, j'ai vu ça, je voulais savoir si, justement, si pour lui, c'était normal, tout ça, parce que moi, je trouvais ça stressant. Mm-hmm. Puis tout expliquer ça, puis dire, quand j'ai dit ça, c'est que j'avais entendu ça dans l'air, puis je l'ai juste exposé, puis là, tu l'as peut-être perçu dans whatever, puis... On verra si il me croit ou pas. C'est comme tu veux. Quand tu dis je l'ai entendu dans l'air, en tout cas, c'est comme tu veux. Quand tu dis j'ai entendu dans l'air, ils vont se demander t'es entendu dans l'air comment, genre comment tu es entendu dans l'air, à qui tu parles, puis ça va être moi la plus proche. Fais comme tu penses qu'il est correct, mais là en ce moment je comprends pas ce qui s'est passé dans la chambre, dans le HOH, mais c'est comme si Kevin était allé leur dire que je transforme tes mots, puis que je suis en train de mentir, puis que je dis n'importe quoi. Ce que je ne pense pas que j'ai fait, puis si j'ai fait, c'est vraiment chien, mais je ne pense vraiment pas que j'ai fait ça. C'est moi qui fais toute la merde en fait. C'est pas toi qui fais toute la merde. Comme à la fin de la journée, je sais que c'est pas nécessairement un bon feeling, je comprends. Puis les journées sont fucking longues, malheureusement. Mais c'est juste pas qu'il écoute ça, genre après, puis qu'il dise ah, il m'a joué. Regarde, là, il a dit l'exemple avec Cindy, genre, il a juste mis. Il a planté une seed juste là pour me faire des doutes avec Bruno. Mais c'est vrai, genre, que Bruno avait dit ça par rapport à Cindy, que c'était sa numéro 1. Mm-hmm. Fait que c'est-tu joué, ça? Mais pourquoi tu penses que c'est joué? Non, t'as dit quelque chose. Je sais pas, c'est juste pas qu'il écoute ça pis qu'il pense que je le joue, genre. Pis s'il me joue, fuck off, au pire, mais je suis genre... Ok, mais t'es pas en train de le jouer. Dans toi, tu sais que t'es pas en train de le jouer. Tu sais que t'es pas en train de le jouer, William. Tu sais que t'as toujours... You always cared. Tu sais que t'as toujours... Carry. Comment on dit carry? I care. T'as toujours care à propos de Kevin. Tu le sais dans ton corps. Tu le sais dans ton cœur. Dans tout ton être, tu le sais. Toi qui essaies de te défendre, de dire j'ai pas essayé de te jouer, c'est louche. C'est plus louche que toi qui essaies juste d'être comme check, je t'ai pas joué, man. Je t'ai pas joué. Toi qui te défends, c'est plus louche. T'as l'air de patiner. Même maintenant devant moi, t'as l'air de patiner. Tu penses que je le joue? Non, mais non, je pense pas, mais je dis, même devant moi, t'as l'air de patiner, t'as l'air de pas être sûr, de comme... Tu le joues pas, il te joue pas. Est-ce que vous pouvez arrêter d'essayer de savoir qui joue l'autre? Est-ce qu'on peut arrêter ce truc? C'est fini depuis freaking week 4, genre. C'est fini. Personne joue l'un l'autre. Je pense qu'il care vraiment de toi. Je pense que tu cares vraiment de lui. Puis si vous pouvez pas vous faire confiance, arrêtez de vous parler du jeu, d'Atine, puis continuez à faire vos petits câlins. Oh my God. C'est comme tu veux. Soit tu essaies de lui expliquer, soit tu move on, puis tu dis « I care about you », je sais pas trop quoi. Fais ce que tu veux, mais je sais pas, mais tu patines un peu, on dirait. Ok, bonne nuit. Bonne nuit.